Oh, Sarah. Bonjour. Allez, tu as mangé? J'ai préparé le repas, c'est délicieux. Oh non, merci, mais j'ai déjà mangé au club. Vraiment? Je les réchaufferai demain pour ne pas gaspiller. Pour ton ami, bonjour. Tu crois que tu pourrais l'appeler pour moi? Tu vois, je voudrais qu'il s'occupe de mes documents et ceux de Becca. J'ai assez économisé pour pouvoir payer. D'accord alors, je l'appellerai demain. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'était délicieux. Crois-moi, tu devrais... Maman, tu es rentrée? Oh, Becca. Comment ça s'est passé, tous les deux? C'était très bien. On a réparé la porte tout à l'heure aussi. Et regarde ça! Il y a plein de serrures, tu vois? Il y en a à l'extérieur et à l'intérieur. Personne n'osera plus nous voler. N'est-ce pas, Manjo? Bien sûr. Oh, waouh! Merci beaucoup. De rien. Ah, au fait, une femme est venue ici plus tôt. Elle te cherchait. Quelle femme? Je crois qu'elle s'appelait Andrea. Sarah, tu sais de qui parle Becca? Hein? Oui, elle était au Japon avec moi à l'époque. Oh. Et donc, elle t'a dit quelque chose? Tout ce qu'elle m'a demandé, c'est mon nom. Et qu'est-ce que tu lui as dit? C'est Rebecca, ou Becca sinon. Oh Alex, tu l'as trouvé ou pas? Pas encore. Bien, Andy n'a rien trouvé non plus. Vraiment? Je me demande ça peut-être. Pourquoi tu es si inquiète? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas non plus. Alors pourquoi tu veux tant le trouver? Je veux juste aider Kara, c'est tout. C'est peut-être important pour elle. Les choses pourraient empirer si on ne le trouve pas, non? Ok. Hey, tout va bien? Ouais. Et bon, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait l'air surprise. Et puis je lui ai dit de revenir plus tard. Chérie, écoute-moi. La prochaine fois que cette femme vient ici, je ne veux pas que tu lui ouvres la porte. Je ne veux pas que tu t'approches d'elle, surtout si je ne suis pas là avec toi. Pourquoi, maman? C'est une mauvaise personne? Eh bien, pas vraiment. C'est juste qu'elle et moi, nous ne sommes pas très proches, donc je ne veux pas que vous vous parliez. D'accord. Très bien. Anna, qu'est-ce que tu fais? Je fais de l'origami. Tante Camille Rose m'a appris comment en faire. Et tonto Andy aussi. Oh, ça me rappelle. Je viens d'en faire un pour toi, papa. Oh. Et celui que je fais là, je vais le donner à maman. Merci. Mais pourquoi? C'est pour dire pardon. Tu vois, on dirait que je fais toujours des erreurs. C'est pour que maman et toi ne m'en vouliez plus. Eh bien, je suis sûre qu'elle va adorer ça. Mais Anna, on préférerait que tu aies retenu la leçon plus tôt. Personne n'est parfait, chérie. On fait tous des erreurs. Mais l'important, c'est de reconnaître tes erreurs et faire un effort pour changer. D'accord, papa. Tu sais quoi? Je suis bon à ça aussi. Tu veux bien m'aider? D'accord, ouais. D'accord. Mmh.
Ok. Mm-hmm. Allô? Allô? C'est Monsieur Acosta? Oui, c'est moi. Qui est-ce? C'est Chérie. J'ai vécu à Sampaloc. Ah oui, oui, je me souviens de vous. Pourquoi appelez-vous d'un coup? Je me souviens d'un truc maintenant. Celle qui vivait ici, chez nous. Elle a aussi trouvé un bébé. Connais-tu quelqu'un avec un bébé disparu? Personne. Tu connais quelqu'un qui a accouché récemment? Ah, je suis sûre qu'elle n'est pas d'ici. Où tu l'as trouvée d'ailleurs? Mon Dieu, je l'ai trouvée devant ma porte. Et pourquoi l'aurait-il laissée là? Pauvre bébé. C'est vrai. Elle a donné le bébé à des gens plus pauvres qu'elle. Attendez, vous êtes sûre? Parce que je sais de qui vous parlez. Son nom est Sarah. Oui. Doucement. D'accord, attention. Sarah, c'est Andrea. Je suis passée chez toi, mais tu n'étais pas là. Et pourquoi ta fille s'appelle Rebecca? Elle n'était pas censée être morte? Qui a appelé Sarah? Pourquoi tu souris comme ça? La chance est de mon côté. Il faut qu'on se voie. Sarah! Sarah! Mais où est pour être cette femme maintenant? Elle me fait venir ici et tout, et elle n'est même pas là. Attends un moment. Voilà pour vous, c'est le paiement complet. Et j'ai aussi tous les documents de ma fille ici. J'ai toujours cru que Becca était née au Japon. Pourquoi ça dit qu'elle est née ici alors? J'ai dû le faire changer pour l'éducation de Becca. Voilà pour... D'accord, je vais m'en occuper. Dans combien de temps on va prendre tout ça? Je ne peux pas vous le dire. J'ai tellement de clients en attente. Ouais. Mon pote, si c'est possible, tu pourrais t'occuper de Sarah en premier? D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Je m'assurerai de vous appeler. J'espère vraiment que vous trouverez moyen pour ça. C'est important que ma fille et moi quittons cet endroit au plus vite que possible. D'accord. Mademoiselle? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes du quartier? Vous sauriez où habite Sarah Suarez par ici? Ah oui, c'est juste là, à l'intérieur. Je reviens tout juste, mais personne n'est là. Oh, vraiment? Mm-hmm. Comment avez-vous rencontré Sarah? Vous êtes son amie? Oui, on était amis au Japon. Ah, au Japon? Mm-hmm. Ah oui, c'est vrai, elle est allée au Japon. Donc ça veut dire... que vous étiez là quand Becca est née? Becca? Sa fille, maintenant? Oui, bien sûr. Pourquoi? Il y a quelqu'un d'autre? Sarah m'a dit qu'elle a couché là-bas. Pourquoi on dirait que vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas des amis proches? On dirait bien que non. Quel âge a cette Becca déjà? 7 ans. Mais c'est impossible. Quoi impossible? Pourquoi? Vous voyez quand... Oh, c'est rien, c'est rien. Je dois vraiment parler à Sarah. Elle est où? Vous avez essayé de l'appeler? Oui, je l'appelle depuis tout à l'heure, mais elle ne répond pas. Je me dis qu'elle doit être chez sa mère, alors. Et où ça se trouve? Oh, je sais où c'est. Je peux vous y emmener. Oh, d'accord. Patricia? Oui, mademoiselle Cara? Comment ça va ici, à la Fondation? Tout va bien, madame.
Eh bien, en fait, j'en ai presque fini de mes heures de bénévolat obligatoire, donc je vais bientôt finir. Mais j'espérais continuer après. Ce serait possible ? Bien sûr, nous sommes reconnaissants de toute l'aide qu'on peut avoir. Et j'ai oublié de m'excuser pour quand je t'ai posé des questions sur ton frère. C'est vraiment rien, madame. Mais vous devez me croire quand je vous dis que mon frère est vraiment une bonne personne. Et au fait, merci beaucoup, vraiment, pour avoir présenté Alex à ton grand frère. Grâce à ça, ton frère a pu donner à la fondation. Quoi ? Julio ! Tricia ! Madame Acosta ? Monsieur Hernandez ? Je voulais juste récupérer ma petite sœur. Oh, mais Julio, j'ai encore des choses à faire. Vraiment ? Mais tu n'as pas une pause ? Allez, on va prendre un truc à manger. Vous allez bien ? Vous avez l'air pâle. Oh, tout va bien. Vous voyez, je suis juste fatigué. Je reviens d'un voyage à l'étranger. D'accord. Excusez-moi, je dois y aller. D'accord. On y va ? Julio ? Tu saignes ? Oh, ce n'est rien. Juste un petit accident. Mais Julio, tu saignes ! Je t'ai dit que c'était rien. Allez, viens, on y va. Pourquoi tu lis ça ? Je pense juste à quelque chose. Ne me dis pas que tu doutes de ce qui est écrit. Maman, c'est vraiment vrai ? Comment tu as fait ça sans permission ? J'ai juste fait ce que j'avais à faire, tu sais. Tu te rappelles de quand je me suis disputée avec Sarah parce que je voulais un test ADN ? C'est pour ça que j'ai pris un échantillon de Becca. Quelle preuve de plus tu veux, Edouard ? Sarah ne t'a pas tout avoué ? Je sens que Sarah me cache toujours quelque chose. Même si elle cachait quelque chose, ce n'est pas tes affaires. Becca n'est pas ta fille. Un point, c'est tout. Et tu devrais couper les ponts avec cette famille. C'est pas ça. Quelque chose s'est passé au Japon sans que je le sache. Mais il ne s'est rien passé au Japon. Arrête un peu, Edouard. Pourquoi tu veux encore être lié avec elle ? Arrête ça, enfin. Tu ne vois pas ça, fiston ? Si tu restes amoureux de cette femme, tu ne feras que de souffrir. Peut-être que oui. Mais maman, j'ai besoin de savoir. Elle est en colère contre moi. Et j'ai vraiment besoin de savoir pourquoi. Oh, bonjour maman. Tu es en avance ? Comment ça va, la fondation ? Tout va bien. Et au fait, Seb est rentré ? Non, pas encore. Ton mari n'est pas encore rentré. Oh mon Dieu ! Il doit encore être parti à la recherche d'Isabella. Tu sais, je me sens mal pour ton mari. Il ne fait rien que chercher encore et encore, mais il ne se passe rien. Oh allez, peut-être qu'un de ces jours, quelque chose ressortira de toutes ces recherches. J'imagine. Maman ? Oui ? Anna, je fais ça pour toi. Oh ! Grand-mère, c'est pour toi. Oh, waouh, j'en ai un aussi. Et celle-ci est pour toi. Oh, un pour moi aussi, merci beaucoup. Oh, c'est très joli. C'est très joli, Anna. J'espère que tu n'es plus en colère contre moi. Oh, jolie petite fille est si mignonne, pas vrai ? Oh, regarde, il peut bouger, waouh. Attends, pourquoi le mien ne bouge Tiens pas par la Anna, queue. Où as-tu pris ce papier ? Comment tu le fais bouger ? Je ne sais pas, je l'ai juste vu poser là-bas avec tes autres papiers. Tu peux en faire un autre pour moi ? Je vais le remettre à plat. Le mien est différent alors. Oh ! Tu vois ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est en japonais. Là, fais-moi voir. Ah non, je sais pas le lire en fait.
C'est peut-être le papier que tu cherchais. Tu te souviens? Anna, où tu as trouvé ça? Là, dans cette enveloppe. On dirait un rapport d'enquête, pas vrai? Je me demande ce que c'est. Peut-être que c'est une erreur. Peut-être que ça appartient à Sarah. Oh! Mais maman, ça m'est adressé à moi. Oh, c'est bon. Ils ont peut-être inversé vos noms. Alors pourquoi ne pas appeler ta sœur? Demande-lui. Elle n'a pas perdu son portable? Alors appelle-la au club. Voilà. D'accord. Où as-tu appris à faire ça? Tu es intelligente? Oui, elle est là, attendez. Sarah, c'est ouais. Cara, elle vient d'appeler, elle dit que c'est important. Oh, d'accord, je vous l'enverrai plus tard. D'accord, je suis au bar. Merci, madame. Oh, oublions ça. Allô? Pourquoi as-tu appelé? Sarah, des papiers sont arrivés ici. Je pense qu'ils étaient pour toi, mais on les a envoyés ici. Tu pourrais les récupérer? Papier? Quel papier? En fait, je ne suis pas sûre non plus, mais c'est en japonais. D'accord, d'accord, j'arrive tout de suite. D'accord. Comment on fait déjà? Excusez-moi. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, petite idiote! Contente de te voir! Qu'est-ce qui te prend? Tu étais là depuis le début? Tu n'as pas dit qu'on devait se voir? Pardon? Pardon? Mais t'es pas possible! Tu m'as fait aller jusque chez toi, mais ensuite, tu étais là tout le long. Je suis contente que quelqu'un m'ait guidée, Dieu merci. Je pense que vous me confondez. Je ne vous ai jamais parlé. Comment ça, je confonds? Hé! Me prends pas pour une idiote, d'accord? Je vais devenir folle, tu sais? Pourquoi tu me réponds pas à ma question sur Becca? Comment elle peut être l'enfant que tu as eu au Japon? Cara? Maman. Qui est-ce? Elle doit être une amie de Sarah. Oh. Cara? Donc, tu n'es pas Sarah? Non, c'est ma jumelle. Ah! Au fait, mon nom est Andrea. Une amie de Sarah au Japon. Oh, vraiment? Oui, madame. Au fait, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose sur Becca. Je n'ai pas entendu, qu'est-ce que c'était? J'ai vraiment dit quelque chose? Oh, ce n'était rien. Sarah est là? Elle est en ville, mais elle est en route. Vous voulez l'attendre à l'intérieur? Venez, entrez. Oui, je vous en prie. Je vous en prie. Venez, entrez. Mademoiselle, excusez-moi. Je peux vous parler? Attendez, je me souviens de vous. C'est encore vous? Écoutez, je voulais vous demander quelque chose. Ah, quoi donc? Quand je vous ai parlé, vous avez dit que Sarah avait un bébé, non? C'est vrai, et? C'était le sien? C'était pas son enfant. Parce que quand elle a emménagé chez moi, elle n'avait pas d'enfant avec elle. Elle m'a dit qu'elle était toute seule. Alors, d'où venait l'enfant? Je ne sais pas. Je l'ai juste vue d'un coup porter cet enfant. Elle m'a dit qu'elle l'a trouvé sur le seuil de sa porte. C'est pour ça que je l'ai viré de l'appart. Elle a le cran d'adopter un enfant, mais elle n'a pas d'argent pour payer le loyer. Hé, je dois appeler quelqu'un. Je dois y aller. Donc Becca n'est pas la fille de Sarah. Oh, salut! Steve, il paraît que des papiers sont là pour moi. Oh, c'est Cara qui les a. Sarah, par ici, tu as de la visite. Oh, Sarah. Tante Laura. Tu es déjà là. Tu pourrais me donner ça. D'accord. Andrea. Sarah. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais, je suis même passée chez toi, tu sais. Allez, on va parler de ça dehors. Hé,
Mais j'ai fait à manger pour tout le monde. Sarah, toi et ton amie pouvez rester ici. Oh, maman, ce n'est rien. Je suis un peu pressée. Qu'est-ce que tu as, Sarah? Pourquoi es-tu si pressée? C'est juste que j'ai pris une pause au boulot, donc je dois y retourner tout de suite. Désolée. Attends, tes papiers sont encore là? Oh, c'est vrai. Tu es négligente. C'est bien ça? Qu'est-ce que tu crois que c'est ici, hein? La poste? Voilà. Tiens. Pour toi. Waouh. Wow. Sarah, qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient? C'est écrit en japonais aussi. Ce n'est rien. Comment ça rien? Il y en a beaucoup, regarde. Allez, Sarah, apprends-nous à lire en japonais. Andy, s'il te plaît, tu peux ne pas être excitée pour tout. Je demandais juste. Hé, il a raison. Qu'est-ce qu'il y a? C'était juste une question. Ce n'est rien, je suis désolée. Attends un peu. Pourquoi tu ne veux pas nous en parler? Qu'est-ce que c'est? J'ai dit que ce n'était rien. Andrea, tu étais au Japon aussi, non? Peut-être pouvez-vous nous dire ce que c'est? On y va. On s'en va, d'accord? Quoi? On s'en va? Merci encore. Qu'est-ce qu'elle a? Sarah, attends! Attends, j'ai dit attends! Mais qu'est-ce qui se passe? Sarah, quoi que ce soit, je ne veux pas m'impliquer. J'ai dit, on y va! Sarah, c'est bien que tu sois là. Écoute, il faut qu'on parle. Je ne peux pas, Seb. Désolée, on est pressé. Laisse-nous passer. Sarah, s'il te plaît, c'est important. Attends, pourquoi tu es si butée? J'ai dit qu'on devait y aller. Que se passe-t-il ici? Ne t'énerve pas. J'essaie juste de te parler. Juste qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le temps pour ça. Je ne veux pas. On doit y aller. On y va maintenant. J'ai juste une question. Parle-moi juste, s'il te plaît. Seb, quoi que ce soit, demande-le qu'on en finisse. Kara, je ne crois pas. C'est une question délicate. Qu'est-ce que c'est? Sarah, est-ce vrai que Becca est adoptée?